dial ka choqué ou. Ça me pral di an li ka forcezi mais son réalité. Gen pile moun ki considéré jusqu'à présent pays États-Unis comme symbole démocratie, comme papa démocratie dans Amérique là, alors que depuis plusieurs années gen un déclin, yo constaté nan sa ki gen pouwe ak démocratie dans pays États-Unis. Gen plusieurs éléments qui montrent à clé. Dans dernière élection qui t'est faite yo, élection qui gagne jodi en même qui c'est mardi 5 novembre dans pays États-Unis, yo prouvé à clé que États-Unis dans dernière année sa yo pa gen rien pour ak démocratie. Gen plusieurs images qui rive joine nous côté ces barricades y a metté. Yo barricadé Maison Blanche, yo barricade gros business, yo barricade petit business, yo barricade maison résidentielle, yo façon pour éviter gros dégâts qui annoncé si toutefois yon candidat yo qui se candidat parti républicain Donald Trump li pat arrivé gagner élection si là. Déjà gagner garde national dans pays États-Unis qui mobilisé. Nous prenons le gain pour nous voir ensemble avec vous. Qui ça? Signal ça, yé. Le pays, t'as quoi, États-Unis? Journée aujourd'hui, élection a fait sous un fond de violence, alors que États-Unis, li toujours érigé en maître jouet, en maître pays en Haïti, côté c'est yo toujours à déterminer qui est-ce qui doit gagner, qui est-ce qui doit perdre. Élection sans violence dans pays pan. Nous pral gagner pour nous venir sous point si là. Conseil présidentiel transition ak Gary Conille continue à faire bataille politique, continue à faire tac au tac politique. Dans moment là, gagner un gros autobre, un gros palto dans Nations Unies qui atterrit dans pays yon, qui rencontrait divers acteurs politiques qui concernaient notre transition. Gary Conille, conseil présidentiel transition, nous prenons le bas tout détail, puisque déjà là, Gary Conille, l'Igéen pour rencontrer avec CPTA jeudi, sous même question remaniement ministériel. Nous avons le ministre des Affaires étrangères, Mme Dominique Dupuis, qui annonce pays, gagne quoi qu'on chaîne disposition qu'a prend là contre pays voisin nous République Dominicaine. Eh bien automatiquement ministre Alfin fait annonce là, pas caché dit nous, la caille voisin, média dominicain, peuple dominicain yo, yo mandé enragé, c'est plein seulement gagne la caille voisin, yo pas attendre yo à qui yo pareille décision. Nous pral gagner pour nous faire entendre dans bon ti mamite qui sa intervention si la ye et qu'on sa va prêter connecté. Déjà m'abdou bienvenue ou sou tak 509 tout haïtien connecté dans émission Mon Éditorial avec Yannick. Nous pral continuer parler pays, nous pral continuer brasser l'idée sur tout petit détail important qui a dominé actualité. J'en te annoncé dans tout début émission jodi qui c'est le jour J aux États-Unis avec élection yo Kamala Harris Donald Trump républicain démocrate c'est qui ça qui pral rien comme résultat final déjà m ka di nou et en pile inquiétude gen pile inquiétude par bon côté communauté haïtienne inquiétude si la yo vini avec et position Donald Trump lui-même li te gagné côté il était déjà et fait qu'on est depuis c'est lui qui rive dans tête pouvoir qui rive gagner élection yo et bien mais qui ça pral passer mais qui ça pral faire dans question immigration yo Donald Trump qui considère que moun qui gen ti piès yo pour Donald Trump dit moun yo pas légal moun qui rentre dans programme Biden yo Donald Trump considéré yo comme moun qui pas légal pirade donc déjà ou ka déjà fait tête ou yon idée comment communauté haïtienne nan comment peut-être yo ka en pile nan yo a mobilisé et par rapport avec intention de vote yo par rapport avec choix yo pral faire et nan question élection yo moun ki ka voter yo moun ki gen droit pour voter États-Unis yo par rapport avec et position et Donald Trump lui-même li te prend nan question immigration
États-Unis pour arriver et peut-être calmer situation pour arriver bailler communauté haïtienne plus ou moins en confiance que loi immigration yo pas changer rapide vite. Eh bien ambassade américaine dans le pays d'Haïti yo fait un poste, OK, yo fait un poste côté que yo t'a pral expliquer dans ça qui gain pour avec loi immigration, yo fait qu'on est loi pays États-Unis sous immigration yo a prêté et strict. Pas bien aucun changement dans loi sous immigration yo tout suite après élection 5 novembre yo aux États-Unis. Autorité yo a continué mettre dehors sans perdre temps tout monde qui rentre États-Unis de façon illégale et puis qui pas passé n'a pas rentré la loi tabli yo. Donc yo fait qu'on est que loi immigration yo pas changer automatiquement après élection yo, peu importe moun ki gen yo. Cependant, de pour rentrer États-Unis, c'est illégalement rentrer, y a fouke ou, y a boté ou, y a voyo tourner koto et te sortir. Donc là, yo clair sous question immigration, c'est des lois yo ye, c'est des lois qui établi, loi yo pa changer bride sous cou, mais ça pa vle di pour autant que États-Unis sont savants n'importe moun ka rentrer, gens yo vle gens hôpitaux juste parce que yo vle quitter pays yo pour aller chercher la vie meilleure l'autre côté. D'où li clair, de pour rentrer illégalement et eh bien y a pour refoulo, y a pran, y a voyo tourner koto te sorti. Cependant, et Donald Trump y a pile moun ki considère le comme gros menace. Et élection qui gagne la journée aujourd'hui, c'est tout le monde là qui fixé sous ça qui a passé États-Unis, c'est tout le monde là qui braqué sous ça qui a passé États-Unis. Pour qui raison li simple? Parce que politique extérieure États-Unis li influencé sur ensemble de décisions que le pays a prend. Parce que États-Unis c'est major jon monde là lié. États-Unis relation rapport diplomatique li gagne avec ensemble de pays, eh bien et tout dépend de moun ki rive nan tèt peyen, est-ce que c'est démocrate, est-ce que c'est républicain. Donc livre le di sa vle di. Et actuellement là, si n'ap gande vidéo qui t'ap circulé côté que yo di yo des série de moun nan vidéo, yo di c'est haïtien yo ye, yo fè konnen que yo voté plusieurs fois alors que c'est vidéo a pa gagné pour avec haïtien, c'est fake vidéo etc. juste pour yo sale communauté haïtienne. Yo di moun yo a peine gen 6 mois rentré États-Unis, yo gen citoyenneté américain, yo gen ka voté, yo fè konnen yo voté plusieurs fois. Et bien service de renseignement américain yo fè konnen que vidéo ça yo retracé original vidéo, la première vidéo, yo retracé comme une vidéo qui sorti dans le pays Russie. Yo fait qu'on est que gen des série de fake vidéo qui a plagué là pour boycotter, pour discréditer l'élection américaine yo qui sorti depuis dans le pays Russie. Et bien là yo fait li, yo montré ces haïtiens qui dit que yo a voté Kamala Harris plusieurs fois, son façon pour yo boycotter Kamala Harris au profit de Donald Trump. Ou ka dit tout, mais pour qui raison? À quoi bon? Eh bien, si n'a pas considéré administration Biden pendant 4 années au saut passé là, guerre qui gagne entre la Russie avec Ukraine, principal pays qui fait guerre ça dure, le kembe tout année ça, c'est États-Unis. C'est États-Unis qui a cherché bailleur de fonds, c'est États-Unis qui a cherché moun qui pour bailler l'argent, c'est États-Unis qui a cherché l'autre pays qui pour prêter l'argent, c'est États-Unis qui a bailler ça, c'est États-Unis qui a cherché l'autre pays qui pour faire alliance avec Ukraine pour bailler les armes, pour bailler l'argent, etc. etc. C'est États-Unis. Est-ce que peut-être la Russie pas ta remé ouais guerre à camper? C'est pas que la Russie Vladimir Poutine pas ta gen moyen pour continuer faire guerre avec Ukraine, non, mais l'homme garder déficit guerre ça a causé quantité russe qui mourit, quantité ukrainien qui mourit, quantité dommage collatéraux qui fait à un certain moment de la durée. Faut qu'on ti break qui bail, faut qu'on ti pause qui prend. Et Donald Trump lui-même pendant période campagne là, il te dit très clairement si c'est lui qui était sous pouvoir depuis bien longtemps, il t'a voyé Zelensky al chita en côté avec question guerre ça parce que yo même yo pas ba yon goud. Donc, il y a des gens dans le moment, des pays dans le moment, des acteurs politiques internationaux dans le moment qui ont Donald Trump, puis bon grand joueur pour calmer la question de guerre qui gagne à travers le monde. Il y a d'autres gens, tout dépend de principe et ils ont défendu. Il y a d'autres gens dans la question d'immigration qui ont préféré Kamala Harris que Donald Trump.
tout dépend de intérêt parti yo, tout dépend de intérêt adversaire yo, chaque moun, chaque acteur, chaque groupe moun, chaque pays jounen jodi a yo gen intérêt pa yo nan élection ka fait nan pays États-Unis. Cependant, ou ka dit tout, comment fait Yannick di démocratie nan pays États-Unis li menacé? Li clair, bagay la clair devant yeux nous, bagay yo simple la. J'en am gade la, c'est divers côtés dans divers états dans pays États-Unis. Là là nous devant Maison Blanche. OK? Là nous devant Maison Blanche côté yo barricadé, obligé mettre un périmètre de sécurité pour empêcher si ta gon dérapage parce que Donald Trump getan invité et population et partisans li yo, peuple Donald Trump lan li getan invité yo calégé, yo vigilant etc. Et parce que Donald Trump gèt maintenant tête qui c'est ligue élection s'il pas gagne c'est boycottage c'est fraude etc. Donc gagne des mesures qui prend gagne des dispositions qui prend. L'op garde barricade za yo, wap garde bagay za yo qui mettait et pour protéger pour yo mettre au périmètre de sécurité pour protéger et parc public pour yo protéger et business moun pour yo protéger kay moun yo mette devant Maison Blanche yo mette yo sécuriser et monument yo etc. Wap dit tout mais 15 ans de cela m'te qu'on a suivre élection aux États-Unis ou même qui est États-Unis etc. Est-ce que t'es gagné même disposition ça yo qui te qu'on prend est-ce que t'es qu'on gagne toute chaleur ça yo dans question élection aux États-Unis. Bagay sa yo yo rive nan peyi États-Unis depuis le Donald Trump li même. Depuis le Donald Trump commence participe nan élection, eh bien, genye gwo malè pandye sou principe démocratique lan, sou règ jwèt lan, sou démocratie même aux États-Unis. Parce que ki sa bagay lan vinye jounen jodi ya? Gen plus kanpay rayman, gen plus discrimination ka fèt, gen plus propagande ka fèt pou yo rayi moun nan kesyon racisme, nan kesyon e couleur, nan kesyon pauvreté ka fèt ke tout lòt bagay. Jounen jodi an aux États-Unis, nou plus mwen menm m'ap di li mwen plus wè nan politik yo, nan politik ka fèt lan, nan image visage politik yo ke se swa au niveau et groupe démocrate là bien républicain moi plus des artisans de la haine moi des entrepreneurs de la violence parce que non intervention Donald Trump li toujours a chercher des séries de bagaille que ce soit et le Donald Trump montrer li gon comportement raciste le Donald Trump a fait des déclarations côté li attaque communauté haïtienne non parce que nous c'est des noirs yo estimé que nous sot nous idiots nous imbéciles la caille nous c'est vieux bagaille nous fait seulement yo attaque communauté haïtienne non yo attaque communauté noire là Donald Trump attaque latino etc etc aux États-Unis je vous dis il est visible et clair que nous ouais il y a une division qui palpable. Unité ça qui était rien dans tant longtemps les questions élection était son démocrate qui gagne élection républicain accepté li perdu élection et puis li respecté victoire l'autre parti on démocrate perdu élection républicain et démocrate l'a accepté victoire républicain etc etc journée aujourd'hui c'est pas ça nous a constaté dans pays États-Unis depuis dernière élection 2020 côté Donald Trump perdu élection jusqu'à présent Donald Trump pas jamais accepté que c'est Biden qui te gagne culture de la victoire populaire là Donald Trump pa konèl. Sou nou peyi yon peyi tankou États-Unis yon gran peyi. Aux États-Unis te erige la peur de la démocratie. En mèt démocratie et puis jounen jodi ouè la kayi élection a fèt. Se nan yon climat kon sa. Ou pa ta di se Pétionville la yon a barricade Belvedere. Yon a barricade des séries de restaurants, yon a barricade des séries de billets privés des séries de particuliers non? C'est image ça ou yo bay journée jodi a parce que qui ça qui gagne aux États-Unis journée jodi an là élection c'est synonyme de violence c'est synonyme de violence parce que depuis après Donald Trump te fait partisan ses partisans envahi Capitole 20 janvier 2020 et bien 2020 ou 2021 depuis là et bien mais en qui ça yo réduit élection aux États-Unis à en question de violence, à en question de craser, briser, etc. Donc, victoire
aswe a la, victoire que te Kamala Harris, que te Donald Trump, li pral genye gros, gros, gros répercussions politiques sur reste monde là. Sou li pral genye gros répercussions. Si démocrates yo yore te sous pouvoir, ça arrive que c'est même temps dans sens, c'est même coup de bâton qui continue. Si républicain Donald Trump li prend tête payant, li prend li gagne élection, pral gon chambardement qui pral fait. Aussi simple que ça. En tout cas, et nous après te suivre pour nous voir évolution yo, pour nous voir et qui ça et qui pral gagner, qui ça qui pral fait pendant la journée. Hein? Reste après-midi dans élection dans pays États-Unis. Je n'ai pas constaté ensemble avec moi là et bien gagné sous-secrétaire général Nations Unies madame Winny Byanyima qui lui-même atterri dans pays d'Haïti. Li chita parlé avec conseiller président yo gagné Louis Gérald Gilles n'a gardé Edgar Leblanc. Malgré Edgar Leblanc te dénoncé CPTA mais comme c'est et intérêt personnel nèg yo ap gérer et bien gran moun nan ensemble il pa gen la honte vrai il pa gen la honte a li still rete dans conseil présidentiel transition et bien qui ça sous secrétaire général Nations Unies madame Winny Byanyima qui ça te vinn fè nan peyan a qui ça rencontre ça al ka débouché a qui ça rencontre ça li ka mené et bien pendant visite sous-secrétaire général Nations Unies qui chita parlé avec conseiller président yo qui chita parlé avec divers autres acteurs eh bien yo te posé problème transition politique là problème qui gagnait entre CPT à primature eh bien après passage et après réunion qui te gagné avec sous-secrétaire général là eh bien gagné yon deuxième convocation qui baille premier ministre Gary Conny pour jodi an pour yo vinn parler pour yo vinn traiter de questions remaniement ministériel. Donc Gary Conny qui lui-même te gagné clair sous position qui te gagné clair et sous question remaniement si CPT a vle remaniement eh bien faut que CPT a balé la caille pal avant lui demander Conny balé la caille pal premier ministre est clair mais cependant eh bien conseil présidentiel transition conseiller aurait été attaché et yo vle faut gagne changement qui fait faut gagne remaniement qui fait et si Gary Conny li pas paré pour faire remaniement dans gouvernement là eh bien yo même yo paré pour yo prend gros décision. Est-ce que Jean Bagaylan hier, est-ce que après visite qui fin fait rencontre qui fin fait avec CARICOM, avec le secrétaire général Nations Unies, est-ce que conseil présidentiel transition puisque et ça me bral dit li terrible c'est vrai, c'est pas peuple qui te mette CPT, c'est blanc qui te mette CPT. Est-ce que c'est blanc yo joine approbation bénédiction blanc pour avancer yo même nan décision nan voie que yo choisi pour yo prendre avec Gary Conny là est-ce que c'est bénédiction patron yo boss yo joine qui sa bagay lan ye inévitablement eh bien CPT en Leslie Voltaire li même li pa gen ni deux ni trois bagay la tande que remaniement pour le tande Gary Conny et décider li même pour retirer ministre justice ministre ministre affaires étrangères pour retirer ministre finance pour yo mettre moun pa yo et pour yo arriver contrôler puis bien transition je CPT yo même yo décider. Donc là nous ka comprendre que reste mois novembre nan si pa rien on décision qui sorti pendant semaine nan là et bien c'est turbulence net qui pral gen dans question politique là et malgré moi Gary Conny fait promesse pour fin d'année a pral gen sécurité m'a posé tellement question comment yo pral rive rétablir sécurité alors que en dedans pouvoir même dans transition même c'est bataille qui gagne son transition qui basé sous et violence interne sous et sous divergence qui pas jamais des problèmes qui pas jamais ka résoudre etc. Donc ça li important. Nous gagnons une intervention extrêmement important et pour nous partager ensemble avec vous. Nous gagnons professeur Michel Soukar qui lui-même et qui a suivi de très près ce qui a passé dans pays États-Unis, qui a suivi et politique internationale, qui a suivi ce qui a passé dans le pays en tout et qui penchait lui-même sous ça et qui concernait Haïti, qui concernait peuple haïtien qui c'est pays d'Haïti.
Nous même chaque jour qu'a mandé en l'autre pays qui besoin en l'autre pays, et bien pour nous font l'autre pays, il y a des engagements nous supposé prendre. C'est pas l'autre oui, nous cap suivre la passé États-Unis, Canada, la France, mais c'est pas yo qui doit déterminer avenir politique, nous qui doit déterminer choix politique n'a fait la caille pas nous. Ça est clair. Professeur Michel Soukar, il réagit en nous regarder attendez ensemble avec moi. Qui ça la baille comme détail. L'homme on dit comme ça, ouvre les faits pays. Moi do ouvre les faits pays, mais c'est monde qui fait pays. Hein? C'est pas bon Dieu va faire beau, bon Dieu va faire politique, j'aime toujours dire là. Politique c'est une fonction humaine. Mais maintenant, s'ouvre les faits pays, à qui mon ouvre les faire? À qui moyen ouvre les faire? Qui plan pour faire? C'est toute question ça pour répondre de tout. Maintenant, si vous dites comme ça, vous voulez dans l'État pour régler fort, ça, on va pas faire pays là. Et c'est ça que la plupart du temps qu'en Haïti nous fait. Ou pas qu'à bon monde qui porteur dans l'idéologie, dans le projet politique, qu'il veut changer un système. Et système dans lui-même, l'échita sur la violence et la corruption, il a bien marché, il a bien fonctionné. Et pour comprendre que mon Zahir qui a fait comme ça dans le système de prêt voter pour vous, vous entendez ça. Mais Michel Soukar, ça qui explique ça, quand même, ce système avec ses défauts et ses qualités fonctionne dans le pays. Attention, parce que dans le pays, ça y est, où gagner, ça y est, dans le sens sérieux du mot, où on est libre qu'à penser et qu'à agir. Et qui connaît, pour être très simple, que s'il voulait continuer à bien manger, j'ai la manger, hein? Il faut que reste société à un minimum. Que l'union pays a organisé, c'est bon comptoir. Bon, ici, c'est un comptoir, nous, à Haïti. Nous parlons en termes de pays. M'pas quoi jusqu'à présent, pendant ma parole, là, quand il a essayé de comprendre, ça avait dit pays, non? M'pas quoi ça, non? Honnêtement, m'pas quoi. Et m'pas quoi tout, même comprendre, ça avait dit on l'État. Est-ce que Michel Soukar, d'après vous-même, façon petit bébé, ça a pris naissance là, est-ce que lui gagne pour lui avec ça nous devenu? Parce que... On va parler de petit bébé que l'Haïti a? Oui. Oui, certainement. Est-ce que c'est dans les conditions internes, des conditions externes, pas de favorable, en croissance normale. Parce que Jean Historie Ford Logan, t'es toujours dit, Jean Haïti fait là, il paraît tant qu'on défie, tant qu'on anomalie, tant qu'on menace. Pour intérêt les grandes puissances esclavagistes, colonialistes et racistes. Donc, si moun sa pas intérêt pour ta vivre, pas intérêt là-dedans. Bon, on peut comprendre perception. Maintenant, nous-mêmes tout. C'est là que nous avons la pays a fait là, qui moyen que nous avons pour avoir propre moyen nous occuper si moun sa pour le capable de grandir? Est-ce que nous avons fait les bons choix? Non. Donc, il y a un pile erreur, un pile mauvais choix qui fait que si mon nom sorti ou capable de dire malingre, fucked up. Donc, c'est ça notre pays là. Non, mais écoutez, Michel Soukar. Vous voyez cette période là? Moi, ces dernières années, mon potent pile accent avec raison. Soit fait de indemnité, dette indépendance, la double dette et tout. Vous voyez cette période là? C'est que même quand. Monsieur, tu as une dette là pour payer. Tu restes là, j'ai un peu de temps. Tu fais bien à payer. Tu as dit la vie d'un pile là-dedans. Donc, problème non, là encore, c'est nous-mêmes. Et c'est ça que je parle de là, Michel Soukar. C'est vrai que l'international est capable de pour blâmer nous, parce que. Il y a une part de responsabilité. Il y a une part de responsabilité. Parce que. Non, mais et nous-mêmes. On allait au-delà de responsabilité noire. Ça qu'empêcher, par exemple, un sursaut qui fait. Pour Haïtien Audi, tu as dit non, nous pas d'accord, continuer à vivre dans cette situation. Ça, nous pas d'accord, ça qui a passé dans le pays là, je dis. Là. Vous pensez que si nous prenons une décision pour nous mener le pays, nous, côté nous-mêmes, nous voulons, blanc, pas l'empêcher de faire? Wendel, on va poser peut-être nos questions. Souvent, des Américains, si vous demandez un anglais, des mondes, n'importe quel autre peuple, qui a un pays plus ou moins a marché bien, qu'est-ce qui ministre? Commerce, travail, éducation, il va en même.
Qu'est-ce qui est député, qu'est-ce qui est sénateur? Peut-être député, si la constitution parle là, le connaît. Bon, il y a des côtés même, soit pour un pays comme l'Allemagne, il y a plus le monde. C'est pour le ministre, on ne connaît pas le monde qui est président. Pourquoi? C'est très simple. C'est parce que le monde qui travaille pour le faire. C'est pour un pays misère, c'est pour un pays chômage. C'est pour un pays côté la politique et la principale industrie. C'est pour un pays de militants. Côté l'État. Non, ici, à mon militant, on peut galvauder. Ce n'est pas des pays côté capable de dire l'État, c'est le principal employeur. Il faut me faire comme qu'on est pour monter dans l'État. Même les qui dans le secteur privé qui fait comme si l'État n'a pas le contrat, pas le passé, il n'a pas fait comme non. Donc, il faut le contrôler. Il faut faire comme. Il faut que le président se parle. Il faut que le président se parle. Donc, le non-pays ou a patogé dans la misère, et en plus, marié avec l'ignorance, ou pas qu'il y ait l'autre comportement. Donc, nous, même nous-mêmes, nous n'avons pas qu'à faire rien. Pour le connaître, pour le minimum, zèle l'État normal, pour le vivre. Mm-hmm. Mon cher frère, je pense que j'étais gagné un monde que nous avons dit, ouais, dans le Widiké. Ou à côté de moi, date là, année 82-83. Mm-hmm. Et puis moi, M. Descendre Machine, né à l'époque, c'est un gros BMW. Et puis M. Paquet, devant pile fatra, mais hôte, dans le Ridicaire. Quand tu as dit ça, Mabdo? Ah, vous dites 82, oui, sous Jean-Claude Duvalier. 82, c'est ça, même Mabdo. M. Paquet, mais et BMW, là, devant pile fatra, parce que c'était un gros appli qui est tombé la veille. Et puis là, M. Descendre Machine, là, maintenant, il y a un cigare en bouche, là. C'était un pigo importateur, exportateur, dans le Ridicaire. Je me dis, monsieur, bon, ça pas dérange un jour pour prendre machine BM à l'époque, qui t'a coûté 75 000 dollars américains, pour pas qu'elle devant pile fatra. Je me suis dit, monsieur, vous ne comprenez pas que c'est pile fatra qui bombe BM, non? Il finit par aller, oui. Vous avez dit pour ça? Mm-hmm. Je me suis dit, vous ne comprenez pas. Sauf que je ne comprends pas. Comment c'est... Ah ben c'est parce que le pays a son pile fatra qui fait qu'elle caoule en BM et qu'elle fait ça le vle. Donc qui est-il qui prend le pile fatra encore? Mm-hmm. Et bon, ça a passé, je me dis, mm-hmm. Ben, comme c'est comme ça, l'avenir a connu si pile fatra a bon bout, pas un problème, non? Je dis, il est possible de se prendre le réveil, mon compère. Nous sommes en 82. Eh bien, individu ça, qui m'a dit là, 12 ans plus tard, le chit à la machine, il bosse à quelqu'un, il flotte mon balle dans la tête. Dans le même pays, il t'a fait comme là. Ce même individu. Ouais. Alors, l'on pas vivre en côté pour aménager, pour faire des lions pays, mm-hmm. Et qu'on comprenne, c'est ou même seul qui compte le bouchon qui a bien mené. Qui a mangé joie. Le moment tout. Bah, il y a tout le monde. Yes. Je comprends. Alors, il y a tout le monde. Alors, ça, Christa, oui. Il a voyagé. Il a étudié. Il a gagné calotte bon. Il a gagné maîtrise. Il a gagné doctorat de toute qualité. Et puis, là, il est descendu en avion là. N'importe là. Il n'y a aucun problème pour rentrer tout droit. Pour nager. Dans le marécage haïtien. Il est à l'aise, Adam. À l'aise. C'est comme si tout ça était ouais. Oublié. Non, je ne pas oublié. Ça, c'est pour pays étrangers. Mm-hmm. Et donc, Haïti, soit savant. Pour Haïtien. Haïtien, mais ce n'est pas là. C'est pour le bouche. Qui va bien. Il y a. Un auditeur qui va bien pour me poser une question pour lui. Oui. Qui j'en construit élite ça? Que l'autre pays a arrivé à construire pour transformer le pays par nous. Première chose, je t'ai demandé de ça, est-ce qu'elle veut livrer? Son monde que je connais. Bon. Et qui est à l'étranger. Pas de. Je vais vous poser. Où est-ce que vous avez une question? Moi, je compte de tous les côtés où elle m'a fait conférence, de tous les côtés où elle m'a interview. Et toujours une réponse très simple pour eux. Où est le monde qui veut faire pays? C'est le monde qui non seulement qui connaît, ça veut dire un pays. Parce que, well, mm-hmm.
C'est aussi même son monde pas prêt avion voyager ou qu'à voyager dans les réseaux sociaux seulement pour regarder bah un pays l'autre bord yo qui j'en fonctionner qualité comme ça. Mais c'est pas tombé du ciel non. Gè des monde saisi yo ben pour ça. Tout pays ouais campé là que n'a pas de mire yo qui groupé. C'est des monde qui bail vie oui pour ça. Au prix de sacrifice. Et ben Jésus n'a que faire pour yo, ni loi non. Ni esprit, non. C'est volonté, c'est courage, c'est intelligence. Donc, au contraire, si c'est bon Dieu qui va recevoir, eh bien, bon Dieu va perdre du temps de créer. Il honore le travail, bon Dieu. Tandis que nous-mêmes, bon Dieu va nous servir, il va nous toute qualité, et puis on a compté sur les deux jours, on n'a pas merdé d'elle, dans les chalets, dans d'elle. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Difficile, ben tout ça, mais c'est lui qui fait le job là pour nous. Et puis, nous attendons toujours. Nous parasites. Non, nous pas parasites, nous lâches. C'est ça le problème. Ouvrez le pays, ouvrez changer le pays, mettez-vous sous table. Je répète-le tout le temps. Mettez-vous sous table. Toute la journée, dans des débuts, oui, bagage, etc. Des salines, tout simple, et tchon, etc. Et garçon. Oui, mais vous êtes mis sous table. Ah ouais. Vous êtes mis sous table. Processus historique qui passe, de période nèg ça te fait ça au faire à aujourd'hui et ben des qualités ba qui passé dans histoire nous on dirait qui démentibilé comme monde et là comme dadou ou pon kan ou passer le nom moulin à la longue ça passé quand on chire et déjà bien et bien on dirait que de période ça étant qu'on a même pas dit ça avant hier. Il dit, mon cher, il m'a demandé si monsieur sort haïtien. Non, il n'y a pas d'haïtien. Haïtien pas le créer après. OK? Mais après ça, il y a un paquet de qualité épreuve. Non seulement il y a un héritage colonial, tu as place David t'a dit, mais il y a plus que ça. Voilà. Là, nous sommes professeur Michel Souka. Tu as fait le point sous. Comment nous faisons pays? Qui ça nous besoin pour nous faire pays? Parce que je ne dis pas, pays nous est qu'à fonctionner, yo. Pays nous est qui ont semblant de stabilité, yo. Pays nous est qui organisé. Ce n'est pas cadeau, c'est au prix de sacrifice. C'est au prix de grandes décisions. C'est au prix et moun qui veut faire pays, moun qui a une vision politique, moun qui a une vision pour faire pays. Yo pas de peur pour te sacrifier, yo pas de peur pour te prendre des décisions, yo pas de peur pour te prendre engagement. Journée jodi an c'est question engagement ça, c'est lik posé sous table. C'est lik posé sous table combien haïtiens qui paraît pour engager yo dans bataille pour changer pays yo. Et professeur Michel Souka, gon bagay li dit qui fort. Gon bagay li dit qui extrêmement fort. Gon coupure, m'pa konnen nan ki moment de la durée coupure ça li fait. Mais haïtien ça yo te fait 86 qui te campé qui te dit plus jamais ça qui te dit fok régime bout de fer bout dit Duvalier a campé a fok li kaba côté yo c'est haïtien qui te campé qui te dit plus jamais ça et même dans constitution yo te fait après 86 yo fait constitution yo dit Duvalier pas là dans le makout pas là dans le régime ça plus jamais ça oui donc journée jodi c'est comme si bon bagay yo retiré dans haïtien. Gon ti grain sel en plus nous te gagné jodi an nous manquel nous pas gagné gon bagay nous perdu. Nous perdu haïtianité ça fait véritablement nous te fier pour nous te bataille pour pays nous pour nous te dire haïtien nous perdu bagay ça. Et peut-être nan réflexion mal loin pour me dire que système qui est planté dans pays depuis après 86 côté que international là est beaucoup plus présent. Nous avons inculqué l'école. Depuis à la base, nous avons gardé le choix qui fait journée aujourd'hui dans la question éducation. Système éducatif nous gagnons. Nous avons appris l'école journée aujourd'hui. Par exemple, nous avons retiré la question civique et morale. J'aime Haïti, c'est rare l'école où nous avons cherché pour Kembe. Nous avons pas appris l'école encore. Si moun yo depuis nan maternelle, moi même so j'ai pas une l'école depuis nan maternelle, gen des séries de valeurs yo a ba ou gen des séries de bagay yo a pas apprendre nous.
comment pour aimer pays ou depuis 8 heures arrivé ou monter drapeau petit kou grand oui faut qu'on camper pour aller bailler drapeau pays ou respect ou te vin en retard ou camper derrière barrière pendant yo monter drapeau journée jodi an pas bailler comme ça l'école yo système éducatif haïtien pour beaucoup dans toute dérive ça qui passe en dedans pays parce que yo a ba nou éducation à la française yo a ba nou éducation importée. Donc je ne jodi an tout ça nous te gagné qui te montré qui te constitué l'essence même de l'haïtien nous perdu en pile là-dedans yo et si nous perdu yo nous pas arriver à d'ailleurs premier bagage sous perdu en bagage ou pas même connait ça perdu yo li pas facile pour récupérer. Moi-même qui a fait constat que le système éducatif haïtien pose problème, mais moun sa yo ki au niveau de l'État au plus haut niveau, ou pensez que yo wè même j'avais? Ou pensez que peut-être journée jodi a yo wè que le système éducatif là li représente une menace pour pays an, parce que jan yap éduke ti moun yo, sa yap bay ti moun yo dans l'école là, li yo pas vraiment apprendre ti moun yo depuis à la base ça on haïtien comment yo ta doit remè pays yo, comment yo ta doit gomè pour pays yo. C'est pas tout le monde qui a pour le même genre. Parce que si dirigeant yo pa wè yo perdu en bagay, yo pa ka goumè pour yo récupérer en bagay que yo perdu. Faut ou konn so perdu pour récupérer so perdu. Faut ou konn so perdu pour aller chercher so perdu. Donc je ne jodi an, nous gon système éducatif qui participe, qui contribue nan sa nou gen la comme génération, nan sa nou gen la comme peuple, nan sa nou gen la comme pays. Donc si nous voulons refaire pays, nous gon paquet de bagaille pour nous manger, gon paquet de bagaille pour nous fourrer mais là-dedans yo. Gon paquet de gros changements qui doit fait, qui doit opérer. Et toute bagaille ça c'est au prix du sang. Ah oui. Ah oui, parce que gon koto, gon bataille ou pral faire, gen moun k'ap parler pour éliminer oui pour bataille ça vinn faire avec yo. Gen moun k'ap parler pour exil oui pour bataille ça vinn faire parce que jodi an Haïti séparé en groupe d'intérêt. Qui est-ce qui a intérêt économique? Qui est-ce qui a intérêt et politique? Qui est-ce qui a tel intérêt, tel intérêt, tel intérêt? Et c'est ça qui mette Haïti côté lié journée aujourd'hui. Et pendant qu'on a parlé de groupe d'intérêt, nous avons un pays voisin, nous, République Dominicaine, qui yon même c'est une principale bénéficiaire de tout ça qui a passé dans le pays comme stabilité. Même là, yon a cherché Niel, yon vle Nieli, mais au fait, République Dominicaine ni profite largement de sa gen la nan peyi a. Eh bien, nous gagnons ministre Affaires étrangères là, Madame Dominique Dupuy, qui lui-même li intervenu et sous sa qui gen pouwe avec déportation et massive en République Dominicaine. Cependant, ministre qui t'a intervenu li bay des détails sous un paquet de paroles qu'a dit. Parce que même Conseil présidentiel transition, Lesti Voltaire l'était estimé ministre Dominique Dupuy plus parler que l'agir. Eh bien, je dis en ministre vinn di yo, c'est pas seulement parler, le parler, mais le poser action. Est-ce que action ça yo, que ministre, que nous pral tande la yo, est-ce que yo a privé véritablement et porter une solution par rapport avec les problèmes diplomatiques qui gagnent entre deux pays yo? Nous pral tande qui sa ministre lui-même, li pote nan jacout li, nan cadre intervention li. On nous tande ensemble. Alors, il y a une citation que je remets en pile. C'est une citation de Dr. Martin Luther King qui dit que la vie nous commence et finit, elle nous décide de faire silence sur ce qui est important. Et je pense que je dis, nous n'avons pas parlé de question de déportation, hein, sans nous pas parler de question de silence. Là. Une décision que je prends avec appui Premier ministre, là, avec encouragement, là, c'était que devant l'inacceptable, nous ne devons pas faire silence. C'était que après une déclaration qui était faite dans la journée 2 octobre, nous avons songé, une journée qui marquait un massacre qui était perpétré contre des dizaines de milliers d'Haïtiens en 1937 sous une dictature. Une déclaration vient faite pour annoncer nous que un acte de déportation massive va commencer. Mais déportation massive régie par certains instruments internationaux qui mandaient respect des principes et puis droit moun qui concerné yo. Et c'est là nous-mêmes nous pour nous vigilants et c'est là nous-mêmes nous l'ouvrir yeux nous et que nous décider déployer voix nous tout. Parce que là pas respecter droit moun silence ou de pour témoin injustice ça abus ça silence ou fait de vous un complice. Et exactement. Rapidement les déclarations faites de octobre
me contacter Premier ministre là, me contacter à l'époque président CPT, président Leblanc, et me dit moi penser faut nous faire une déclaration. Zak yo pour commencer fait. Mais nous t'ai déjà ressenti que date qui t'ai choisi t'es bon ou avant-goût qui ça qui t'ai voulu fait. Et vraiment vrai très rapidement nous commencer ouais dans qui condition déportation au mené. Parce que pour mobiliser 10 000 personnes pour la guerre sur une frontière, c'est dans toutes sortes de conditions que ça fait. Nous avons côté petit monde, petit bébé qui ont été séparés avec maman. Yo. Nous avons côté de jeunes petits monde qui ont moins que 5 ans la guerre sur la frontière le soir. Nous avons une série de bagailles qui tout simplement inadmissibles et puis qui vexent nous dans l'orgueil, nous, dans l'humanité, nous, dans la dignité. Nous. Donc nous décidons non seulement pour nous dénoncer, li, mais pour que nous camper bon côté des principes que nous-mêmes nous adhérons à eux depuis 1804. Principe ça eux c'est principe droit moun pour dire tout monde c'est moun, tout monde gen droit pour traiter eux en moun. Là nous prenons décision ça, il pas fait tout monde plaisir. Peut-être ici dans Kestrof nous content décision ça même quand dit nous, il pas fait tout monde plaisir. Parce que il y a intérêt personnel, parce que il y a intérêt économique, parce que il y a enjeu géopolitique qui pas aligné avec composition haïtienne. Qui réclamait dignité et humanité pour concitoyens, même si nous reconnaissons droit à déportation. Yo dit nous, ah, ces paroles n'ont pas fait, nous n'avons pas moyen pour politique non. Qui levier Haïti gagne pour marcher sous voisin yo, pour imposer yo respecter droit moun. Et c'est ça que nous décidé challenge. C'est ça que nous décidé remettre en question. Qui levier nous gagne? Nous sommes pays tant que tout l'autre pays devant l'ONU. Nous avons voix tant que tout l'autre pays dans l'assemblée côté nous siéger. Nous n'avons pas moins de pays, nous n'avons pas moins de monde parce que nous avons un problème. Et donc, là nous chita OEA, nous égal États-Unis, nous égal Canada, nous égal tout pays région dans voix avec nos sièges nous gagnent. Là nous chita CARICOM, malgré n'a demandé CARICOM aider nous égal à yo dans l'assemblée CARICOM là. Là nous chita l'ONU, nous égal avec la Russie, nous égal avec l'Ukraine. Nous égal avec tout membre de l'ONU dans voix nous. Là nous signe instrument juridique convention internationale yo, c'est pas seulement pour nous bal autres quorum parce que gagne fois Haïti courir premier devant li sion en instrument mais il pas connait à qui ça va servir li. En c'est pas seulement signé pour bal autres quorum, c'est signé pour nous défendre intérêt pas nous, pour nous défendre dignité pas nous. Donc ça nous décide de faire comme levier, c'est activer tout mécanisme ça yo, c'est activer toute voix ça que nous gagnons dans l'instance internationale yo. Moi même personnellement moi écrit OEA, moi écrit l'ONU, moi écrit UNHCR qui c'est organe pour respect droit de l'homme dans réfugié yo. Moi écrit CARICOM, moi écrit UNICEF, moi écrit UNESCO, moi relé Charles Barré tout côté pour abus ça. Et avec permission Premier ministre nous contacter une firme internationale d'avocats qui fait de ni haïtiens ni étrangers avec des universités ni haïtiens ni étrangers cap documenté à bureau et qui pral permettre nous gagne un dossier solide. C'est pas seulement m'té ouais m'té dit t'es une vidéo sur YouTube mais qui pral gagne un vrai dossier juridique qui ca défendre dénoncer et réclamer tout ça nous gagne pour nous réclamer par rapport à abus illégal ça yo dans processus déportation. Parce que ça nous dit c'est que communauté internationale là pas casser lui même qui vient défendre nous si nous même nous pas dénoncer abus. Nous pas arrêter tant pour blandi oh gars ça haïtien et nous même qui ça nous dit par rapport haïtien pareil nous que retourner en Haïti nous content recevoir yo parce que PM n'a toujours dit nous même ça n'a fait face à lui dans administration son manque de bras que dans la police là que dans l'armée que dans administration publique que dans ministère yo. Nous même si haïtien veut tourner la caillou au contraire yo bienvenu la caillou mais yo pa ka bourader yo pa ka violer tout droit yo jan y a tourner yo nan aucune reconnaissance pour j'effort yo t'al faire l'autre bois parce que prospérité pays ça yo bâti sous sueur avec sous sang haïtien tout lè aller l'autre bois c'est vrai que yo bénéficier de certains avantages sociaux que peut-être yo pa ka joindre à yo la caillou mais yo aider bâti en prospérité pour société ça yo tout. Et donc, nous pas qu'à garder un bon, nous pas garder l'autre bord. Ça nous demande des pays voisins, hein? C'est respecter point de déportation, yo. C'est respecter horaire de déportation, yo. C'est respecter conditions de déportation, yo. C'est respecter tout registre moun yo.
Parce que comme Haïti fait à recevoir des Jamaïcains, des mouns qui sont de Belize, des Américains, ça montre que ça vient dévoiler une thématique qui est longtemps plus complexe. Une thématique que ce n'est pas seulement Haïtien à cibler, que son thématique discriminatoire, raciste. C'est couleur peau à regarder et puis on dit ou pas on doit participer dans la société ça on met au dehors et si nous te dit non en 1804 on pas comment en 2024 nous ca bébé ça on pas comprendre ni donc nous prenons décision nous dit premier bagaille là c'est la parole deuxième bagaille là c'est une action concertée avec communauté internationale là pour que au courant de ça qui a passé troisième bagaille là c'est pour nous gagner un système documenté solide qui ca permettre nous aller plus loin et ça me ca dit nous c'est que il commencer par résultat déjà. Question intimidation, harcèlement, persécution femme dans politique, c'est pas une question qui pourrait pas Haïti malheureusement. Son réalité que femme fait face à lui presque dans tout pays du monde, m'a dit. Mais PM ne fait parler d'un pourcentage qui est important. En Haïti, nous avons 51, il y a monde qui dit 52% de femmes dans pays là. Ça veut dire que question intégrée, impliquée, compter avec femme dans question l'État. Il n'y a pas qu'à en causer secondaire, quelquefois, au cas où, si nous sommes capables, l'obliger en question fondamentale. Parce que si nous décidons d'invisibiliser 51% de la population, c'est tout un pan société à nous cracher sous lui. Donc, faire place pour mesdames, ce n'est pas une courtoisie. C'est une question existentielle liée. Et nous-mêmes, tout comme mesdames, ce n'est pas seulement quitter, faire place là et prendre place là. Parce que nous avons droit à lui. Parce que si nous sommes d'accord que, pas gain économie, pas gain l'école, pas gain l'hôpital, pas gain société sans travail femme. Comment nous ka penser que nous ta ka gain politique sans voix avec contribution femme. Politique là c'est lui même qui miroir société. Et puis journée jodi a nous gon classe politique si me ka permettre moi de rétrograde misogyne qui pensait que femme yo ka fait protocole. Yo ka pote kafe pou yo nan réunion mais pa ka non position de décision alors que tout côté nan société a nous wè que c'est mesdames yo qui ka prend des décisions qui transformateur vraiment mais heureusement on va me continuer souligner ça heureusement c'est pas tout garçon heureusement tout comme mesdames nous ka compter sur des garçons qui comprennent que rôle femme gen pour jouer nan société a tant kou nan sphère politique là il pa pipiti passer rôle pa yo. Et pas un rôle caméo, je nous dis dans le cinéma ou bien un rôle de support, mais son rôle égal et lié. Moi-même, personnellement, je vais compter sur Marim pour vision équitable. Je vais compter sur chef cabinet, je vais compter sur collègue ministre. Mais particulièrement, il m'a demandé de nous applaudir sur chef gouvernement, premier ministre. Voilà, nous attendons, ministre des Affaires étrangères, Mme Dominique Dupuis. Qui lui-même li t'a bay position là sous ça qu'a passé entre Haïti et République Dominicaine action que l'État haïtien posé elle pas seulement parler mais li agi mais ça nous veut nous comprendre c'est que loi immigration chaque pays li déterminé par pays ya Jean République Dominicaine décide faire déportation massive là n'a gardé vraiment et gen OEA gen Nations Unies qui mandé le retourner sous lit parce que y a violé droit haïtien et nous wèl vrai yo violé droit haïtien mais pendant Haïti gen toute insécurité ça toute violence ça ou près États-Unis qui lui-même li mette gros l'argent à terre pour force multinationale li douvle pa vle ouais pa ouais force force multinationale faut qu'il opérationnel États-Unis a dit gen insécurité, organisation régionale a dit gen insécurité en Haïti, fòk déportation kanpe en République Dominicaine, hypocrisie tellement flagrante. Même États-Unis ça l'a fait déportation, l'a voyé moun l'a pimpé moun tourner Haïti parce que principe immigration la caille li haïtien violé et bien a déporté. Ça bagay ça comportement ça yo doit faire nous réfléchir, yo doit pousser nous réfléchir. Yo doit pousser nous réfléchir parce que nous devons comprendre, dans affaire pays, pas j'aime mes amis vrai. Dans affaire pays, tout le monde s'est intérêt par eux à défendre. Tout le monde s'est intérêt pays, yo yo veut protéger. Donc, si États-Unis nous web demain matin là, les bons comportements pour montrer le favorable avec tel groupe en Haïti, c'est parce que le intérêt dans tel groupe ça. Si demain matin l'autre groupe vient, il montre le défavorable, il va intérêt dans l'autre groupe là.
aussi simple que ça. Mais pas de question, États-Unis, c'est parce que vous remettez telle équipe par rapport à telle équipe. Non, mais ils ont mis vraiment cher. C'est pas un intérêt. C'est pas un intérêt. Je dis, les bon pour yon, là, quand yon, yon d'accord. Demain, le bon pour yon, les pas dans quand yon, yon voye le jeté. Moi-même, ça que t'es passé sous Jovenel Moïse en Haïti, le bon exemple. Le bon exemple. Jusqu'à ce que yon assassine le président Jovenel Moïse, Jovenel Moïse mourit. Gede se yon dossier extrêmement important que Jovenel Moïse te décide vin avec yon sous tapis. Kote de se yon de gros groupe d'intérêt, intérêt par yon te menace, eh bien, même États-Unis, même ambassade américaine à l'époque, li te dit Jovenel Moïse pas de ka changer constitution. Jovenel Moïse pas de ka faire référendum alors que Jovenel Moïse son président élu. C'est pas États-Unis, c'est pas ambassade qui pour déterminer qui ça cap bon pour un pays, qui ça pas bon pour un pays, alors que nous grand monde. C'est parce que ça Jovenel Moïse, route Jovenel te décide prendre pas dans intérêt États-Unis, États-Unis pas trop bon pour lui. Donc on veut nous toujours mettre ça dans tête nous. C'est nous pour faire pays, nous c'est nous pour décider pour pays, nous c'est pas blanc pour décider pour nous. Ça il doit clair dans tête nous. Nous gagnons ancien ministre de justice Luc Mandelil qui lui-même lui fait une intervention sur Haïti. Et m'pa kache di nou, intervention Luc Mandelil la, ça nous pral tande là, li doit pousser nous pour nous réfléchir sur situation pays. Est-ce que bon volonté réelle pour résoudre crise? Est-ce que bon volonté réelle pour résoudre situation insécurité qui gen là? En pile fois n'a posé tête nous question, si peut-être Luc Mandelil te rete, est-ce que Haïti t'a privé côté lié? Est-ce que le pa t'a joine bout bandi vivant ensemble, yo précisément nèg menti sans nèg au village de Dieu? Ancien ministre de justice, li parle, m'bral permettre nous tende et garder ensemble avec moi tout détail que le tabay qui concerne question de sécurité dans le pays. On nous attende. Marasse la situation li là parce que le pays a constitué la honte. L'on parle d'Haïti sur le plan international, il y a demandé ce que moun dans le pays ça encore. Qui chan pays a fait descendre aussi bas comme ça? Haïti, on connaît dans le temps et qui fait l'épopée de 1804. Voilà. Ça, c'est extrêmement grave, donc nous n'avons pas d'arriver là. Bon, alors, nous n'avons pas d'arriver là, nous tous nous d'accord, mais nous l'avons déjà. Tout à fait. Vous pensez que sous été font deux ou trois mois encore comme mini-justice, il y a des problèmes qui vont appeler aujourd'hui à tout? Oui, j'y crois. Ce n'est pas mon dili, société a dit parce que tu es avec zèle, avec dévouement que je gagné. Et c'est pays qui juge, il y a de bonne foi. Parce que je ne vais pas faire comme. Si je devine faire comme d'abriter. Parce que la stratégie, pour être au pouvoir en Haïti, c'est ne faire rien, ne dire rien, accepte le tout. Dès que vous ne faites rien ou pas dans rien, tout ça est bon faire, obéir sans comprendre ou abriter. C'est ça la stratégie de l'administration. Dans la lutte contre le grand banditisme, qui plus belle anecdote qui marque l'expérience ou bien passage dans le ministère de la Justice? Qu'on capable partager avec le public là. Comme bagay côté fait. Et comme bat fan pilte 4 mois seulement de fait, plus grosse satisfaction c'est que les mouvements viennent débloquer kidnapping. Sauf docteur Bita. Jerry Bita a été kidnappé. Il a été sauté kidnappé dans le pas de paye en dollar. Camion, pas de détourné. Et monsieur plein est à plein en bas parce qu'il a déconfiné, il a une stratégie qui était bas résultat. Et si nous étions plus longtemps, à noter bien l'MT, là, son seul point de criminalité qui était c'était Matissan. Mais qu'on est assez tout le pays qui envahit avec le groupe terroriste. Lors du Matissan, est-ce que le village de Dieu l'a donné tout? Bon, bloc Matissan, en grave, il est Matissan. Vous comprenez, c'est là seulement que tu as un problème ça. Avant tout le pays était contaminé. Je pense que pendant un petit temps, si on a plus de satisfaction de gain, le A. Monsieur pas de trafic kidnapping, c'est plein ou t'as plein. Monsieur pas de superstar comme ça. C'est après, le bras retiré maintenant. Il a retiré de manière grotesque et cavalière. Ça va le bail, monsieur, pain béni. Et c'est comme ça, kidnapping n'a le gars net. Est-ce que vous pas t'as pleuré ou maître Luc Mandelil, lorsque tu es quoi que, ou même seul, ou tu es capable de résoudre le problème ça? Quand yo dit que question gang nan en Haïti, li pa un petit dossier petit et facile. C'est secteur politique, c'est secteur économique,
c'est l'international. Et je dis, peut-être, par contre, ça a été avant, mais je dis, hein, c'est la drogue aussi. Comment te faire penser qu'au même, à vous-même seul, avec vos idées, ou tu es capable de pour adresser et résoudre un problème comme ça? C'est une belle question, Andel. J'ai été très naïf, vraiment. Parce que ça, bon, mon leçon, on grandit. Et faut qu'on monde, ou même aussi vous-même, faut qu'on monde pas penser tout le monde même j'avoue. Moi-même, je crois qu'en tant que serviteur de l'État, on est sur ta province, peut-être même j'avoue, je ne peux pas imaginer des gens qui sont capables au plus haut niveau de l'État, qui sont de mèche avec des criminels. Je ne peux pas passer ça en seconde. C'était pour moi-même impensable, inimaginable. Son bagage est très antinomique. L'État, son bagage moral, bat qu'à penser ça. Et finalement, les maps vivent ça, et jusqu'à présent, ça fait mal. Bat imaginer que niveau de pourriture, de corruption à Haïti est arrivé à un niveau ça. Comme si pour pouvoir, comme si pour certains Haïtiens, bap dit tout est aussi méchant et cruel comme ça, qui manipulait. Oui, mais il n'est pas que le pouvoir, les hommes au pouvoir. Et ça me souvient de justement. Il y a des ramifications. Oui, mais ramification, c'est d'abord, c'est mon pouvoir. D'abord, parce que si l'État, pas de mèche, par exemple, on prend Bukele, par exemple, San Salvador, on est qui dans le secteur privé a pécité pour entrer dans la question ça. Parce qu'il connaît, il a sauté. Parce que tout le monde, l'État, il a le temps. Non, moi, j'ai plusieurs été arrêtés récemment. Pas seulement des hommes au pouvoir, non. Des hommes du secteur des affaires. Voilà, voilà. Mais c'est l'État qui baille le temps, c'est l'État pour reprocher d'abord. Parce que le problème, qui ça lié. Fort, comment gang là commence à Haïti. C'est l'armée d'Haïti qui finit démobiliser. Secteur privé a pour préserver entreprise business. Là, le fait qu'il parle, c'est eux qui viennent donner gang là. N'est-ce qui besoin de candidat dans l'élection à tous les niveaux. Il a cherché le groupe, mais pas c'est comme ça, oui, ou vient tomber la bagaille, tomber là. A dit que la police a le temps pour remplacer FADH par PNH, donc vingon vide. La police là, t'es tellement faible, il n'y a pas de cas, rétablir sécurité dans tout le territoire. N'est qu'à chercher groupe par eux pour préserver, soit abuser, affaire politique, c'est ça qui parle de la pays. C'est comme ça que ça a commencé. Comment concevoir un vetting de la police nationale sous la Premier ministre avec toute dénonciation qui fait que tu as gagné un bel pourcentage de ou encore institution t'a les mêmes tout gangstérisé gangréné. Comment t'as fait pour ce problème ça? Quoi de ça, c'est un bail interne ou pas qu'à dire publiquement, c'est très fragile, okay. Question de sécurité, mais pas oublier par la police seulement pourri mon état avoir la justice que me la donne et auxiliaire de la justice comme avocat en bas au Port-au-Prince, pas quoi institution plus pourri que la justice, a dit que sous vous comprenez pas les policiers, mais je sais pas en fait. Donc c'est les deux. Alors, toutes les situations en général, globalement corrompues, mais deux piliers pour permettre qu'on fasse avancer le pays, justice, police, ou pas qu'à maillot, ils ne sont pas maillot. Et qu'on s'allie. Donc ça veut dire que c'est des bagages que je connais. Et je connais comment m'adresser, parce que le pays est petit, tout le monde. Tout le monde. Donc là, on parle de. Je connais. Je ne sais pas tout le monde dans la police, là, mais. Il y a des bons commandants qui ont fait effort, qui t'a permettre qu'une fête vétine avec autant de facilité, parce que le commandant troupe au grand pile m'connaît, et qui c'est des gens qui de bien, qui a facilité ou, et capable de dénicher mauvais graines qui a été en situation. Mais c'est tout côté qui a un problème. Ça. Mais... Et voilà, nous t'attendons ancien ministre justice, M. Luc Mandelil, qui t'a posé problème sécurité paysan, qui t'a baillé point de vue li sur ça qui a passé en dedans paysan. Et nous pas jamais ka connaître puisque il t'est retiré, nous pas jamais ka connaître s'il t'est été mini justice, est-ce que peut-être gang Izo village de Dieu a t'a crasé? Nous pas jamais connaître réponse parce que joute t'est retiré, il t'est voyé aller après 4 mois il t'est fait dans tête ministère. Cependant et depuis après l'assassinat du président Jovenel Moïse, il n'y a pas un secret pour personne. Monde que Haïti a plongé plus dans l'instabilité, plus dans le chaos. Et kounye a, nek gang yo, nek bandi a exam yo, yo vin gen plus pouvoir, yo vin gen plus, et sin kadil, entre guillemets, c'est comme si nek yo montre yo vin gen plus autorité,
nèg yo parler comme si c'est yo qui te représente l'état, comme si yo son symbole dans l'état. Donc c'est la descente aux enfers en Haïti. Est-ce que conseil présidentiel transition, est-ce que à un certain moment nèg yo pral mettre de côté intérêt mesquin yo, intérêt personnel yo, pour faire Haïti passer avant tout? Gary Conny promet que fin d'année a bagay yo pral mauvais et non mes bandits yo, est-ce que pral gen sécurité qui pral rétabli véritablement? Est-ce que nous ka fè nèg sa yo confiance alors que yo pas digne de confiance? Yo ne pas faire l'autre confiance, est-ce que population ka et al risque al jouer gros sou yo? Jusqu'à date nous wè sa k'ap passé dans pays an, n'a vu sa k'ap passé dans pays an, n'a tande sa k'ap passé dans pays an. Donc depuis le conseil présidentiel installé, depuis le premier ministre Gary Conny li prend pouvoir, pas grand rien qui changer sinon que dans la pire des manières. OK, sinon que bagay yo vinn pi grave, bagay yo vinn pi compliqué, bagay yo vinn pi senti dur en dedans pays. Donc Haïti pa ka rete comme ça, toujours aimer dire c'est responsabilité chaque grand haïtien, chaque grand citoyen pour nous retirer pays nos côté li a là. Nous t'étant des professeur Michel Soukor, il te dit exactement tout ça qu'il pour dire en termes de responsabilité. Donc, ballon nan pied nous, jouer boule nous, prendre responsabilité nous, prendre des engagements pour pays. OK? Parce que c'est nous pour changer pays nous, c'est pas blanc pour changer pays nous, c'est pas Nations Unies pour le faire, c'est pas OEA pour le faire. Responsabilité à lui personnel et c'est nous pour faire. Compatriotes haïtiens frères sœurs, c'est là n'a mettez un bout dans l'émission pour aujourd'hui. Merci à vous-même qui t'êtes connecté, merci à vous-même qui t'a suivre nous. Restez connecté à channel là, rendez-vous en casse dans une autre vidéo de formation. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Où c'est haïtien, où remet pays et puis on agit. Entre désespoir, de machination politique et l'ennemi, mon éditorial vous dit tout. Émission Mon Éditorial, c'est l'espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon Éditorial, sorti lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, de chez Chanel Paula pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon Éditorial. Nous prenons la balle et pays, nous prenons le débat, c'est toujours même Yannick, l'on même voir.